aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog avec Noémie comme d'habitude. Ça va être le dernier vlog à Prague. Coucou. C'est déjà notre deuxième jour. Ah ouais, c'est déjà bientôt plus les vacances. Vous aurez suivi l'évolution de mon bouton qui ne veut pas partir. Oui, c'est... Je vous montre comment je suis habillée, on dirait un peu que je vais à la messe. Je porte mon petit jean et ensuite j'ai un col roulé, mais comme j'avais peur d'avoir froid, j'ai mis un autre peu par-dessus. Donc voilà, c'est un peu vintage, hein, on va dire ça comme ça. Normalement on va au musée communiste, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Mmh. On va au musée communiste et cet après-midi... Tu voulais qu'on aille où déjà? Pas du musée communiste. Mais c'est toi, je voulais aller au château. Ah oui, on va sans doute au château. Et après, cet après, on va peut-être prendre, genre, enfin, on va voir comment ça se passe, mais soit s'asseoir, manger, soit prendre une part de pizza, goûter la spécialité. Et ce soir, on doit manger parce qu'on a une reste de la bouffe ici. On ira peut-être prendre un verre. Oui, on n'est pas sorti à Prague, pour ceux qui se demandent, parce que bah, on est déjà sorti il y a 2 jours. Voilà quoi. Fallait se reposer aussi. Fallait se reposer, et puis dans tous les cas, c'est pas trop safe, je pense, de sortir à deux filles. Enfin, c'est pas une question de Prague, c'est juste en règle générale. Donc voilà, on y va. Enfin, on y va dans 20 minutes parce que nous connaissons, on va mettre encore 30 points. Donc là, on est arrivé près du, enfin, de l'ancien bâtiment soviétique. Et genre l'ambiance, c'est hyper particulier. Déjà, bah, il fait super froid et tout, donc enfin froid. Il y a pas de soleil, quoi. Et genre c'est que des bâtiments gris. Il y a aucune lumière à l'intérieur. C'est censé être ouvert. On sait même pas si on peut rentrer. Genre, il y a même pas marqué d'entrée. Il y a même pas marqué sur les murs. C'est trop bizarre. Bon, ça me fait super peur, genre. Attends, je crois qu'il faut monter les escaliers que je vais vous montrer. C'est un bâtiment, genre, franchement c'est hyper particulier, il y a zéro touriste, il n'y a rien, genre, wow. Attention, on va essayer de monter. Donc nous sommes actuellement au musée. Trop Noémie a fait un caca nerveux pour ne pas y aller. Un musée sur la guerre, sur les communistes. Mais c'est hyper intéressant. Alors qu'il y avait le musée de la bière et du Lego, et aussi le musée de la pomme. Dites-vous que cette personne était censée être la plus intelligente du lycée. Hein. Super. On parle de guerre pendant tout le lycée, elle m'emmène encore voir la... Je voulais vous expliquer parce que je trouve ça assez intéressant. En gros, ils expliquent que le scoutisme, il a été dissous par les nazis, bon ça m'étonne pas, et par les communistes, et que c'est en 68 que c'est enfin revenu comme une organisation et tout. Mais c'est un truc de malade et ça a été créé donc dans leur pays en, avant la Première Guerre mondiale. Genre, je sais pas pourquoi, pour moi le scoutisme était surtout européen, mais en fait non. Enfin, Europe, oui, enfin bref, vous m'avez compris. Mais les gars, c'est vraiment incroyable, vous avez pas voir, mais genre, ils avaient les mêmes tentes que nous, genre les tentes canadiennes. Ils mangeaient dans les mêmes gamelles, mais vraiment, ah, ça me choque. Je suis désolée pour ceux qui sont pas scouts, vous comprendrez rien, mais vraiment. Bon, Noémie m'a abandonné, mais je suis dans une pièce que je trouve trop trop belle, je voulais vous montrer. Genre, c'est trop stylé, regardez, hop. Moi, j'adore le marbre et tout, genre. Je vais vous faire un post Insta où je vais vous récapituler tout les trucs qu'on a mangé parce que c'était vraiment super bien. Et on est allé manger un petit café qui était trop cool, un peu inspiration je pense de l'époque du communisme, très kitsch, très kitsch. So let's raise it tall, 'cause I found someone to carry me home tonight. We are young. So let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun.
coucou les copains. Alors je vous cache, j'ai un... Mon bouton est trop moche, vraiment. Donc... Mais c'est chiant, vraiment. On est le soir, on comptait sortir, mais en fait, on sort pas parce qu'on est fatigué. Parce que voilà... voilà, voilà. Le midi, on a mangé un resto trop bien, hyper tradit. Donc je vous mettrai... J'essaierai de faire un post Insta et j'essaierai de tout relayer et tout. Après, on est dans un petit truc. Enfin, franchement, on a passé notre journée à manger. On a mangé la spécialité aussi. Et... il nous reste la dose de bouffe, donc je sais même pas comment on va faire. Je suis en train de réfléchir à comment je vais emmener toutes mes affaires parce qu'en fait je dépassais à l'aéroport. Mais peut-être que là ils vont pas vérifier. Aussi aujourd'hui j'ai acheté cette chemise là qui est rouge et qui est vraiment trop belle, mais portée elle est super belle, donc j'essaierai de faire des looks avec et tout. Et sinon bah, j'espère que ces petits vlogs à Praha, ça se dit comment en Prague, Praha, vous auront plu. Voilà, c'était cool, franchement on a essayé de profiter, j'ai fait plein de plans. Après c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de plans, on parle, mais c'est quand même cool. Et vraiment j'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner, allez rejoindre mon Insta, et ciao la mif.